j'étais le seul qu'elle avait pas l'air d'aimer. De toute façon, j'aimerais plus. J'ai pas appris. 3 fois, je suis allé la voir dans son pays. 3 fois, j'ai failli tout perdre. Mon job, mes attaches. Elle se faisait tellement chier dans son pays qu'elle passait son temps à lire. Moi, j'aimais pas ses livres. Ma passion, c'était elle. Je lisais à travers elle. Elle gardait ses distances, mais je savais quelque part elle m'avait adopté. Pourtant, là-bas, tout le monde se foutait de ma gueule. Je me souviens du nombre de fois où je l'ai attendu comme un con la nuit. J'étais accueilli comme un dieu, elle m'achetait comme un chien. Je me souviens, elle m'invitait à dîner chez elle. Son mari était à côté. Je la suivais dans la cuisine, il nous rejoignait. J'avais même pas honte. Quand on aime, on n'a pas honte. C'est la première fois que je sentais que quelqu'un m'appréciait vraiment. Dire que je pensais qu'on allait enfin commencer notre histoire, la vraie, celle qui... J'ai pris l'avion encore et encore, miles par miles. Je la déshabillais du regard, je me souviens, à l'aéroport. Cette jupe, courte, trop courte, j'avais tout le temps envie d'elle. Et puis, peu à peu, je suis devenu son jouet. Son jouet, jour après jour, et mois après mois. Là, je m'agite dans ma cage. J'endors plus la nuit. J'ai tout dépensé, mon temps, mon argent. Putain, qu'elle s'est bien amusée. Elle m'a montré des couchers de soleil sur son cul. Alors moi, je voulais plus rentrer. J'ai failli tout perdre, tout perdre. Et puis un jour, je lui ai demandé si je comptais vraiment pour elle. Larry. Je m'en veux. J'aurais dû voir la chose arriver, Comment j'ai pu me faire avoir? Comment? Alors j'y suis retourné une dernière fois. Pour lui montrer. Pour qu'elle comprenne. Je l'ai d'abord ignoré avec délectation et... Après je l'ai abandonné dans son pays. J'ai voulu l'embrasser une dernière fois. Elle m'a rejeté. Moi, elle m'a rejeté. Ok. Je viens de perdre ma dignité. Faut que je me ressaisisse. Je dois mettre les choses au clair dans ma tête. Je peux pas affronter le regard de ma femme.
J'ai pas intérêt à lui donner satisfaction. Je donnerai satisfaction à personne. Je m'écroulerai pour personne. Putain, ça va faire 6 heures que je me cache ici comme un con. Comme une merde. Je suis qu'une merde. Allez, allez, ressaisis-toi. Mais non, non. Et puis il y a cette voix dans ma tête qui me chuchote. Vas-y, appelle-la, appelle-la une dernière fois. Je manque de vis pour faire ça. Je le ferai pas. Non, je l'appellerai pas, je l'appellerai pas, je l'appellerai pas, je l'appellerai pas. Non. 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 Tu m'auras pas. Si. Tu m'as eu. Je crois que j'arrive au bout. They say that.